Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo pour te présenter une petite opportunité si jamais tu fais du dropshipping avec Shopify. Alors, je tiens à te présenter, à t'informer d'abord que moi je ne fais pas de dropshipping avec Shopify. Donc, du coup, cette solution, je ne l'ai pas encore testée, mais c'est une solution qui pourrait intéresser tous mes abonnés qui font donc du dropshipping avec Shopify. Alors, si vous faites du dropshipping, vous savez que le trafic, c'est l'élément clé. Donc, pour avoir des clients, il faut tout simplement avoir du trafic. Et c'est pour cela qu'on dépense énormément d'argent sur la publicité avec Facebook. Alors, il y a d'autres solutions alternatives, comme par exemple le SEO. Moi, je le fais déjà. Si tu regardes ma chaîne YouTube, tu as déjà vu que j'ai fait une vidéo pour te présenter le printemps de Mon. Du printemps demande donc que je t'ai présenté avec Tezili. Donc là voilà moi mon site que j'ai fait avec Tezili tout. Et là j'avais prévu en fait de faire de la pub sur ce site là, mais finalement j'ai décidé d'utiliser le SEO. Avec le SEO on a du trafic gratuit, donc ça nous envoie des clients gratuits. Alors ça met un peu de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est la meilleure solution pour ne pas dépenser énormément d'argent en fait dans la publicité Facebook. Donc du coup ici il y a une formation qui s'appelle SEO Empire que je viens de découvrir qui est parfaite pour tous ceux qui font du dropshipping avec Shopify. Si vous avez l'habitude de dépenser énormément d'argent sur la publicité Facebook, avec les blocages Facebook qui existent à chaque fois, on est tout le temps bloqué, on a tout le temps des soucis. Il faut avoir un plan B pour avoir du trafic, pour avoir des clients qui vont venir régulièrement sur sa boutique sans dépenser un seul sou. Et là, SEO Empire ici, c'est une formation qui te permet donc d'intégrer un blog à ta boutique tout simplement pour attirer du trafic gratuit. Donc là, tu vois, c'est mis, voici comment un simple blog rapporte 15 fois plus que l'immobilier. Mais en fait, ce n'est pas un blog pour rentabiliser un blog, tout simplement, c'est pour créer un blog sur une boutique Shopify et puis avoir du trafic gratuit donc sur sa boutique pour pouvoir vendre simplement sans avoir besoin de faire de la publicité Facebook. Alors ça marche et moi je l'ai déjà vu sur WooCommerce, donc avec WordPress que moi j'utilise parce que comme je te l'ai dit, j'utilise pas Shopify, mais je l'ai déjà vu pour WooCommerce, ça marche très bien, beaucoup d'hommes le font, donc du coup il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas également avec Shopify. Donc ici la formation elle est là, je ne l'ai pas encore testée comme je te l'ai dit, mais pour ceux qui utilisent Shopify, je vous invite à tester. Donc si bon, c'est l'introduction de la formation, tout. On va, voilà, l'auteur nous présente ici un peu ses résultats qu'il a eu grâce au SEO. Donc je ne sais pas depuis combien de temps est-ce qu'il a fait, parce que le SEO ça prend quand même un peu de temps. Ne pensez pas que vous allez venir commencer à faire le SEO sur votre boutique. Mettre un blog sur votre boutique et puis dans disons 2 semaines ou bien 3 semaines, 1 mois, vous allez commencer à voir ces résultats-là. C'est faux, ça prend du temps, souvent 4-5 mois, mais une fois que c'est lancé, souvent même 1 an, hein, ça peut aller à 1 an, ça dépendra de comment vous faites votre SEO. S'il est bien fait, ça peut aller très rapidement au bout de 4-5 mois. S'il est mal fait, bah comptez 1 an ou bien plus d'1 an. Mais une fois que c'est lancé, vous avez du trafic gratuit et vous pouvez atteindre de bons résultats. Là, vous voyez les résultats que lui présente. Donc, pour sa formation, 5132 qu'il a eu de manière organique, donc c'est-à-dire sans faire de publicité. Sans faire de publicité, donc voilà, avec du trafic gratuit. Donc, c'est un plus qu'il faut utiliser. Si vous faites du dropshipping avec Shopify, c'est un plus de. Ne négligez pas en fait le trafic gratuit, c'est très important. Donc là en fait l'antenne est tout décrit. Moi ce que je cherche c'est voilà les modules pour la formation. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette formation concrètement? Donc ici vous voyez les règles du SEO pour ne pas être blacklisté donc avec les robots de Google. Donc si vous ne connaissez absolument rien au SEO, déjà là, il va vous donner des détails sur le SEO, ce que c'est, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on fait le SEO et tout ça. Ce qui fonctionne pour nous et ce qui fonctionnera pour vous. Voilà, si ça fonctionnait pour eux, c'est ce qui sera fonctionné pour vous. Le plus important, c'est tout simplement d'appliquer. Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter une formation et puis de l'utiliser pour meubler, qu'on appelle son étagère ou
garder tout simplement dans son ordinateur pour dire on a acheté une formation. Non, il faut l'appliquer et surtout il faut être patient. Parce que le SEO, comme je l'ai dit, ça prend du temps, donc il faut être patient. Des personnes qui achètent des formations et qui veulent des résultats immédiats, rapides, c'est rare en fait, c'est rare d'avoir ce genre de chance, ce coup de chance du débutant où tout marche pour la première fois, c'est rare et c'est pas sûr d'avoir ça. Donc du coup, il faut appliquer les règles et puis être très patient. Et même quand ça ne marche pas, il ne faut pas se décourager, il faut recommencer encore à zéro. Souvent, on recule pour mieux sauter. Donc, ce n'est pas parce qu'on a essayé une fois, ça n'a pas marché qu'il faut abandonner. Non, il faut encore reprendre. Donc là, on vous donne le plan détaillé pour pouvoir faire le SEO, tout. Des plans qui seront tout faits en 7 jours. Vous allez pouvoir voir comment est-ce que ça marche, comment mettre tout ça en place. Les indispensables, vous créez son blog sur Shopify, voilà. Créez son blog sur Shopify. Alors moi je suis plus habitué à WordPress. Alors malheureusement donc je ne peux pas vous montrer comment est-ce que ça se passe. Parce que moi je suis plus habitué à WordPress. Et là vous avez ça, c'est le module 1. Déjà il est très bon, ce sont les bases du SEO comme on peut voir dans le module 1. Le module 2 il continue encore avec les secrets donc du SEO. Très important. Voilà ici trois stratégies secrets pour écrire des articles de blog rapidement. Donc vous savez, le SEO, ce sont des articles de blog qu'on va essayer de positionner tout simplement en première page de Google. Une fois qu'on est en première page de Google, on a plein de trafic. Je vous dis plein, plein, plein de trafic. On n'a même plus besoin de faire de publicité. Et là, il va vous montrer comment écrire des articles de blog rapidement. Même si vous ne savez même pas comment écrire des articles de blog, vous n'avez aucune idée. Vont vous montrer comment le faire assez rapidement. Et moi, je connais plusieurs astuces comme ça pour écrire des articles de blog très facilement. Je pense que sans doute qu'il y aura ces genres d'astuces-là dans cette formation-là. Vous allez retrouver ces astuces-là également. Voilà, des articles de blog de 1000 mots en 5 minutes. 5 minutes. Je pense quand même que c'est abusé. Ah, il y a des stratégies très faciles, mais pas en 5 minutes. Ça vous prendra peut-être 10-15 minutes. En fait, quand vous êtes nouveau, ça peut vous prendre 15-20 minutes, souvent même 30 minutes quand on est nouveau, quand on est débutant. Et puis après, bon, avec la routine, en 10 minutes, on a déjà fini un article de blog. Voilà. Mais l'auteur, il est un peu abusé en mettant quand même 5 minutes. Mais c'est pas grave, on continue. C'est fait exprès. Voilà, écrire un article de blog. Bon, tout ça, ça parle du SEO, ça parle d'écrire un article de blog, c'est bon. Ici, module 3, système clé pour réussir. Donc là, je pense que maintenant, là, il va rentrer dans les détails, vrais détails, comment appliquer tout ça, les applications, voilà, tout ce qu'il faut. Donc, son secret pour attirer 600 visiteurs par jour avec un seul article de blog. Donc, ça, c'est très important. Bon, ça, c'est un secret qui m'intéresse également. 600 visiteurs par jour avec un article de blog, si c'est vrai, c'est magnifique. Ça donne énormément de visiteurs. Donc voilà un peu, pour ceux qui sont sur Shopify, c'est vraiment pour vous. Ne vous focalisez pas uniquement sur la pub Facebook ou alors sur la pub Google. Je sais pas, sur tout ce qui est pub payante, ne vous focalisez pas uniquement dessus. C'est la même manière en fait de se ruiner, de perdre de l'argent. Parce qu'il y a très beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence. Le dropshipping de jour en jour, il est très 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 concurrentiel. Donc du coup, bah, s'il y a des solutions pour avoir du trafic gratuit sans faire de la pub, il faut vraiment l'utiliser, il faut en profiter. Et ça, c'est une formation qui ne coupe pas les rues. Je ne vois pas des formations assez, des formations de ce genre-là, je ne vois pas du tout. Je vois plus les formations sur la formation de la pub Facebook, des formations pour apprendre à faire la pub Google, des formations pour en fait pour des pubs payantes, mais pas des formations pour du trafic gratuit. Je ne vois pas ça ou je vois ça très rarement. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, il faut que je vous présente cette offre-là. C'est, j'ai pas encore vu le prix. Donc, le prix. Bon, ici, ce sont des témoignages que je n'ai même pas lu, des témoignages donc de personnes qui ont testé. Ici, donc voilà, ils ont testé, qui disent que ça marche. Ici, je vois pas le prix. À moins que je l'ai sauté. Bon, on va cliquer si je découvre la formation directement. Je découvre la formation. Oh, il y a malheureusement fenêtre pop-up. Bon, je vais le faire pour vous. Je vais mettre mon nom, je vais mettre mon adresse email. On va aller voir donc le tarif. On va aller voir le tarif. Voilà, c'est pour pouvoir voir le tarif. Et donc voilà, c'est 97 euros.
86, 17 € donc offre unique. On voit 3 heures de vidéo ici. On n'en sait pas que tu vas recevoir 3 heures de vidéo et inclus créer ta machine à cash avec un bloc Shopify. Ok, donc c'est la formation. Et il y a quoi encore d'autre? Pourquoi faire du SEO? Bon, je crois que c'est tout ce qu'il y a dans la formation, hein. Comment utiliser le blog même pro, régler le blog Shopify pour faire des ventes rapidement. Ok, c'est tout ce qui est inclus dans la formation qui est énumérée ici. Ok, qui est énuméré. Je crois qu'il y a des bonus également. Oui, bonus 1 ici. Comment écrire des articles de blog en 5 minutes. Bon, tout ça, c'est la formation. Profit direct pour avoir des revenus immédiats. Ok, d'accord. Donc ici, on a un bonus. Dans deux bonus 2. La méthode profit direct, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça dit, c'est une méthode pour avoir des revenus immédiatement et rembourser la formation facilement. Ok, donc ça c'est un petit bonus en plus, donc une autre formation, donc une autre formation pour apprendre à gagner de l'argent, tout simplement. Et puis vous avez la mise à jour régulière de la formation, d'accord. Donc une fois par mois, il y aura une mise à jour, c'est parfait. Et vous avez une garantie, oui, 100% garantie. Combien de temps, je sais pas. Si vous n'êtes pas 100% satisfait, vous pouvez demander un remboursement dans les 360. Alors, vous avez une garantie de 365 jours. Ça, c'est magnifique. Un an de garantie, les gars. Un an de garantie. Voilà, ça, c'est magnifique. Donc, vous avez un an pour tester, vous essayez. Donc, pendant un an, si vous n'êtes pas satisfait, tout simplement, vous pouvez demander un remboursement. Mais je pense que si l'auteur a donné un an de garantie, c'est qu'il est sûr et certain de sa formation. Ça, c'est clair. Un an de garantie, c'est assez rare à voir sur Internet. Généralement, ce sont des garanties de 30 jours, de 15 jours, même pas de un an. Là, vous avez une garantie de un an, ça veut dire que l'auteur, il est carrément sûr et certain de sa formation. Donc ça, les gars, il faut le prendre si vous faites du dropshipping avec Shopify. Sincèrement, pensez à prendre cette formation-là. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc c'est SEO en pic 97 €. Je sais pas si on peut payer en plusieurs fois, je sais pas. Donc c'est une seule fois, on peut payer en une seule fois. Donc prenez ça, paiement avec carte de crédit uniquement. Il n'y a pas de PayPal. Ici c'est marqué PayPal, mais je vois pas de PayPal. Seulement que carte de crédit. Donc voilà un peu, c'est la formation que je voudrais vous montrer ici. Très important. Donc si vous faites du dropshipping avec Shopify, je précise ainsi, vous faites du dropshipping avec Shopify. Donc si vous ne faites pas du dropshipping avec Shopify, que vous ne connaissez même pas ce que c'est que le dropshipping, c'est pas la peine de vous attarder donc sur cette formation. Mais si vous faites du dropshipping avec Shopify, vous avez l'habitude de dépenser de l'argent dans la publicité Facebook, dans la publicité Google, publicité YouTube ou tout ce qui est publicité, vous gaspillez énormément d'argent par jour pour faire de la pub, peut-être même une pub qui n'est même pas rentable, même si elle est rentable. Eh bien, pensez tout simplement à essayer le SEO. Le SEO, une fois qu'il est bien fait, quand il marche, vous n'avez plus besoin de publicité Facebook. Vous n'avez plus besoin de publicité Facebook. Moi, je travaille uniquement avec WordPress et c'est ce que je suis en train de faire avec ma boutique ici sur WordPress. Donc, je vous encourage pour vous qui êtes sur Shopify. Alors, bien sûr, pour WordPress également, il y a une formation. Une formation, j'ai oublié d'ouvrir. Malheureusement, pour vous montrer la formation, moi je l'ai prise, mais ce n'est pas la même personne. Ça, c'est Branding Process. Et l'autre, il y a une autre formation également pour WordPress, pareil comme ça sur le SEO pour pouvoir vendre sans faire de la publicité Facebook. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais pour ceux qui sont sur Shopify, bah, il va falloir penser à prendre ce type de formation là, c'est très important. Donc, du coup, je vais vous mettre le lien qui m'a envoyé en fait sur cette formation là. Je crois que j'ai le lien quelque part, je l'ai vu quelque part. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous cliquez tout simplement dessus et vous allez arriver dessus. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, je termine bien entendu en vous précisant que moi je travaille uniquement sur WordPress, je travaille pas sur Shopify, donc du coup, je l'ai pas testé. Dans la commentaire, ne me demandez pas est-ce que j'ai testé, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. On me pose tout le temps ce genre de questions là. Je travaille pas sur Shopify, donc du coup je ne peux pas tester cette solution là. Je ne peux pas la tester parce que je travaille pas sur Shopify. Vraiment désolé de... vraiment désolé, très très désolé, mais je peux pas tester parce que je travaille pas sur Shopify. C'est un choix. Moi je suis toujours sur WordPress, sur WooCommerce. C'est uniquement la solution que j'aime. Voilà, donc c'était Roger depuis la Côte d'Ivoire.
pour vous présenter tout simplement cette offre.